Salut la tribu! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter trois allume-feux qui pourront vous être utiles dans un cadre de survie. Pour cela, j'ai choisi des matériaux courants ou très faciles à trouver. Alors avant toute chose, on va commencer à la base, pourquoi faire du feu? Il y a ça plusieurs utilités, mais les principales vont être de pouvoir se réchauffer, se baliser, cuisiner ou purifier de l'eau. Ce sont les raisons principales qui nous intéressent ici. Je vais m'aider ici d'un briquet et d'un fire steel. A savoir que le briquet, je recommande fortement le briquet de type BIC, puisqu'il est muni d'une pierre à feu, et en vrai, c'est simplement un fire steel avec du gaz. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de gaz, il pourra quand même être utile. Premier allume-feu, le bois gras. Le bois gras, si tu es en forêt, c'est assez facile d'en trouver. Tu vas trouver ça sur des branches mortes, sur des souches. C'est un bois imprégné de résine, donc hautement inflammable. Il a pour avantage d'être efficace même mouillé, donc après une pluie dans une forêt assez humide, tu n'auras pas de souci pour le faire démarrer. C'est un matériau que tu peux emporter dans un kit de survie. Si tu n'as pas de forêt près de chez toi, tu peux aussi t'en procurer sur internet, ça se vend tout près. Mais le mieux, c'est quand même de le faire soi-même. Alors niveau flamme, il a vraiment une bonne tenue, moi c'est pour ça que je le privilégie. Et tu peux le faire partir très facilement au fire steel ou au briquet. Deuxième allume-feu, le mouchoir papier de type Kleenex ou bien essuie-tout. Il suffit juste de le déchirer en tout petits morceaux. Et pareil, ça part hyper facilement. Le seul inconvénient que je trouve, c'est que la durée de flamme n'est pas optimum. Si tu utilises cette méthode, il faudra faire très vite. Il faudra préparer vite fait ton petit bois ou ta petite broussaille pour le faire partir plus rapidement. Troisième et dernier allume-feu, le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, c'est quelque chose qu'on a généralement au fond d'une trousse de secours, au fond de la boîte à gants, au fond d'un sac, si tu es prévoyant. Et ça a la particularité d'être hautement et hautement inflammable. Premier coup de fire steel, premier coup de briquet, ça part mais à une vitesse phénoménale. La contrepartie, c'est que ça pue, c'est toxique, faut pas respirer les vapeurs. C'est à utiliser avec précaution au risque de foutre le feu à la forêt. Mais dans un cas d'urgence, ça reste une des meilleures solutions après le bois gras. Alors je tiens quand même à préciser que l'allumage d'un feu est extrêmement réglementé, voire interdit dans certains départements. Donc je vous conseille de vous rapprocher de vos autorités locales, comme les services forestiers par exemple. Et il faut savoir aussi que même en cas d'extrême urgence, en cas de survie, il faut quand même être responsable quant à l'allumage d'un feu. Et bien si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner afin de rejoindre la tribu. Et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine. Tchuss.